et cette personne, même si elle n'est pas là, elle est dans mon cœur. Et c'est elle qui vient, là, c'est Catherine. Vous faites pouf. La dernière fois que je l'ai vue, je ne sais pas vous, je racontais ma vie, mais la dernière fois que je l'ai vue, elle a dit une phrase que je pense que j'oublierai jamais. Elle a dit, c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Et c'est exactement ça, en fait. C'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Et aujourd'hui, c'était magnifique de faire ça, mais c'était pas facile. Et je l'ai fait. Et voilà, et donc je suis très émue, pas parce que j'y suis arrivée, parce que j'ai pas du tout envie de ça, mais surtout je suis très émue de vous voir, de vous accueillir. Très émue parce qu'il y a 4 ans, Fred, qui est le propriétaire des lieux, on s'est rencontrés, on se connaissait pas, et quand je suis arrivée ici, je suis tombée amoureuse du lieu, je lui ai dit, sans le connaître, on a parlé 5 minutes, puis je lui ai dit, un jour j'aimerais faire quelque chose ici, parce que j'adore cet endroit. Et il m'a dit quand tu veux. Sauf que avec le boulot, la vie, blablabla, ben 4 ans après, on y est quoi. Et ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Merci Fred d'abord d'avoir permis ça. Ensuite, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est qu'on a, comme ben, vous savez, on vit des moments super difficiles. Il semblerait qu'on est un peu en train d'en sortir, mais bon. On verra. En tout cas, ce qui était terrible, c'est ce que les artistes ont vécu pendant toute cette période Covid. Le peu de... Enfin, je trouve pas le mot, mais... Le peu de reconnaissance qu'on a eu pour eux, enfin, on s'est pas du tout intéressé à ce qu'ils vivaient, à ce qu'ils ne vivaient plus, c'est encore mieux, parce qu'ils ne vivaient plus rien. Et donc moi, j'avais aussi Mais je suis aussi artiste, même si je ne pratique plus mon art, ou en tout cas très peu. Mais j'ai été aussi, comme je disais tout à l'heure à Muriel, de ce côté-là. Et donc je sais ce que ça doit être de ne pas pouvoir jouer, de ne pas pouvoir être face au public et de ne pas pouvoir partager son art, ses tripes, quoi, tout simplement. Donc ça aussi, je m'étais promis que le jour où on pourrait enfin faire quelque chose, j'avais vraiment envie de le faire pour eux aussi. Y a pas de mal. Et bon, j'ai beaucoup de, je connais beaucoup d'artistes, mais encore une fois, je sais pas pourquoi. C'est eux qui sont arrivés les premiers. Et je leur en ai parlé, puis ils étaient super ok tout de suite. Et donc, merci Nfali, merci Muriel, merci Sandra, merci Simon, merci d'être là. Donc, je ne vais pas parler pendant 3 heures, mais j'avais besoin quand même de vous exprimer tout ça. Et maintenant, on va y aller, ils vont jouer. Alors, oui. Ils ont un petit CD, voilà, ils le vendent au prix de 10 euros, j'en profite pour le lire. Alors, je devrais normalement vous rappeler toutes les règles Covid, mais vous les connaissez par cœur, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vous demande juste une chose, c'est que quand vous vous déplacez, ayez votre masque. Là, et si vous voyez qu'il y a un contrôle, clac, mais voilà, juste ça. C'est pour aller aux toilettes. Alors, vous ne pouvez pas aller commander au bar. Par contre, ici pour le moment, on vous sert comme ça. Enfin, il y aura toujours des gens qui vous serviront. Mais si à un moment donné, vous trouvez que ça ne va pas assez vite, vous pouvez aller. Il y a une petite. Il y a des casiers de bière là, avec une petite planche. Vous pouvez aller jusque-là. Crier, on veut 3 vins blancs. Et donc, nous, on vous les dépose là et vous pouvez revenir avec vos verres. Si à un moment donné, vous trouvez que ça ne va pas vite assez, que vous n'avez pas envie de vos verres. Donc voilà, c'est tout ce côté pratique. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'était important que je vous dise. Je pense que j'ai tout dit. Nfali et Muriel vont jouer 40 minutes à peu près. Il y aura après un entraque d'une demi-heure. Ils rejouent. Et puis après... Madame. Je vous souhaite un bon moment et merci d'être là. Je vous embrasse. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, on fait place à la musique maintenant. Nous sommes contents de, pour la première fois depuis 14 mois,
un premier concert en présentiel, c'est merveilleux. Merci de nous avoir fait confiance. Nous espérons être à la hauteur. Amor.
instrument s'appelle kora, la kora du mandingue. Ah. Le mandingue était un empire de l'Afrique de l'Ouest qui comprenait entre autres le Mali, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Conakry, pour ne citer que cela. Dans ce grand royaume du XIIe siècle, la population était organisée en différentes classes sociales. Je peux me permettre de les appeler castes. Dans ce grand royaume, il y avait des chasseurs. Ces chasseurs non seulement nous apportaient les fruits de la chasse, mais par leur connaissance parfaite des forêts, parvenaient à guérir les maladies. Car ils connaissaient toutes les plantes qui guérissaient, des fleurs jusqu'aux racines. Donc c'était un médecin. Il avait la classe des pêcheurs, des saumonneurs d'eau. Ces pêcheurs, non seulement nous apportaient les fruits de la pêche, mais ils nous aidaient à traverser les fleuves, les océans, les mers. Donc c'était nos marins. Et les chasseurs étaient nos médecins, les guérisseurs. Il avait la classe de Noumou. Les Kipri Kumfi, Ani Badakbe, Samantonga, Ani Fudumba. Vous avez compris, hein? C'était des forgerons, des noms. Ces forgerons transformaient la terre en fer. Ils transformaient les bouts de bois à des instruments de travaux champêtres ou des instruments de guerre, des armes. C'était nos physiciens. Il y avait aussi des cordonniers qui transformait les peaux en de vêtements. Il y avait des tisserands qui tournaient les cotons pour en faire des fils, des tissés pour faire des vêtements. Donc, le mandingue avait des habits depuis le XIIe siècle. Il y avait aussi la classe qui est très importante. Quand je compare le royaume de Mandingue à celui de la Belgique, vous avez des objets pour garder, pour retenir l'histoire dans des livres, pour les mettre dans les bibliothèques. Cet objet s'appelle écriture. Nous, les Mandingues, ne possédaient pas cette écriture pour garder notre histoire. Et pourtant, le peuple mandingue, le royaume, avait son histoire, sa culture, ses mœurs, avait le même souci de les garder pour les générations montantes. C'est ainsi que les gens de Mandingue choisissèrent certains noms de famille pour remplacer donc la bibliothèque occidentale. Vous comprendrez bien que l'oralité fait place comme un roi pour garder cette histoire. Ces gens gardiens de la culture donc et de cette histoire avaient pour rôle de remplacer la bibliothèque occidentale par la parole, par la mémoire. La transmission de notre histoire est gardée pour les générations montantes. On les compare aux bardes chez les Celtes. Car ce sont
sont des gens qui pouvaient bien parler au roi en se servant de métaphores, des contes pour le conseiller. Ces gens bibliothèques avaient pour rôle de conseiller donc le roi, la cour royale, la population, et étaient là aussi quand il s'agissait de différends entre deux personnes, deux nations, pour parler afin de régler le différend, pour installer la paix. Quand il s'agissait de la réjouissance, comme le cas présent, ils venaient avec les instruments de musique, comme l'agora, le balafon et autres, pour chanter, pour égayer la population. Donc, ils étaient partout dans la société, comme le corps dans le corps humain, comme le sang dans le corps humain. Nous, les Mandinkais, nous les avons nommés tout simplement le sang de la société, ou bien les griots, le djeli. Ces gens, on les appelle en français les griots. Donc, à partir de maintenant, comprenez ceci. Les griots ne sont pas des féticheurs, ce ne sont pas d'autres choses que des gens de bibliothèque, des gens de culture. Et cette classe de griots est la mienne. Le père de mon père a été griot. Tous mes ancêtres sont des griots. Je l'ai hérité de mon père, de tous mes ancêtres, le balafon comme la cora. Merci. Les langues sont rouillées, les instruments sont rouillés, poussiéreux, parce que 14, quand même, 14 mois, quel enfer. Il faut remettre encore les disquettes, les... Hein, et les disques durs en place pour pouvoir continuer.